c'est bientôt l'été, avec ses plaisirs mais aussi ses désagréments, comme les piqûres d'insectes, en particulier les tiques, susceptibles de transmettre la maladie de Lyme. Ça tombe bien, puisque c'est aujourd'hui la journée nationale de la maladie de Lyme. Sur notre plateau aujourd'hui, Isabelle Pacchioni, cofondatrice de Pure Essentiel, et Armelle Fouatelli-Greffet, présidente de France Lyme. BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Isabelle Pacchioni, bonjour. Bonjour Fabien. Armelle Fouatelli-Greffet, bonjour. Bonjour. C'est un nom compliqué, hein ? Oui, un peu. Alors, c'est aujourd'hui la journée nationale de la maladie de Lyme. Est-ce que vous pourriez nous rappeler exactement, donner une petite définition courte et facile à comprendre de la maladie de Lyme ? Alors, la maladie de Lyme, c'est une maladie d'origine bactérienne. Donc, elle est transmise par une bactérie qu'on appelle Borrelia, qui a une forme en queue de tire-bouchon, on appelle ça Spirotec. C'est une maladie qui est transmise par les tiques et qu'on risque de contracter entre, on va dire, le 15 mars et le 15 octobre. D'accord. C'est-à-dire début de printemps. Une grande partie de l'année, donc. Hein. Exactement. Ouais. Exactement. On constate depuis quelques années que la durée de contamination s'est allongée. D'accord. Et donc, cette tique donc, va se s'accrocher sur nous. Elle va s'accrocher, elle va mordre. Elle a un rostre qui va se fixer, généralement dans des endroits un peu douillets, sous les bras, derrière le genou, à l'aine, derrière les oreilles, dans le cuir chevelu. Et elle va s'installer. Et si personne vient l'embêter, elle peut rester un temps indéfini parce qu'elle va faire un repas sanguin. Voilà. D'accord. Et elle va profiter pour envoyer dans Et elle peut profiter pour régurgiter des agents pathogènes, dont Borrelia. Elle peut aussi transmettre, malheureusement, d'autres agents pathogènes. Il y a une maladie qui est maintenant à déclaration obligatoire en France, qui est l'encéphalite atique, qui crée des symptômes méningés. Donc, il est important de pouvoir la retirer le plus rapidement possible à partir du moment où on a été piqué. Donc vous êtes la présidente de France Lyme, l'association France Lyme. Oui. Y a combien de personnes atteintes en France à peu près ? Alors officiellement, les chiffres du réseau. Donc. Alors chiffre du réseau Sentinelle, c'est 60 000 personnes. Mmh. Nous, on estime que c'est trois fois inférieur à la réalité. C'est-à-dire que on pense qu'il y a au moins 200 000 personnes qui sont touchées parce que plein de gens ne se rendent pas compte qu'ils ont été piqués, mordus, on peut utiliser les deux termes. Isabelle, vous êtes une habituée de Check-up Santé. Oui, merci. Marco, merci de nous inviter. Marco, Rocco, vous êtes tous venus plusieurs fois. Vous avez cofondé avec votre mari Pure Essentiel en 2005, c'est ça ? En 2005, on a créé le laboratoire Pure Essentiel. Voilà. Super aventure. Une belle aventure et on est très ravis de pouvoir collaborer avec cette association France Lyme, puisque, ainsi qu'Armelle l'expliquait, cette maladie, elle est très pernicieuse, elle est mal diagnostiquée. Et le plus simple, c'est d'essayer d'éviter de la contracter. Et pour ça, il faut faire la prévention. Tout d'abord, je voulais vous poser la question. La philosophie de l'esprit de Pure Essentiel, c'est quoi ? Alors, Pure Essentiel, c'est les soins les plus naturels possibles, des alternatives à des produits chimiques de synthèse, quand c'est possible, à partir notamment de principes actifs tels que les huiles essentielles. Et la crise sanitaire, est-ce que vous a aidé ? Est-ce que vous a poussé ? Alors, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Ouais. Le bon, c'est qu'on a des produits qui sont des produits de prévention encore pour éviter justement de tout ce qui est contamination manuelle, aéroportée, avec une gamme qui s'appelle la gamme assainissant et un produit leader qui est le spray aux 41 huiles essentielles. Donc, qui détruit 99% des Des virus, des bactéries, ouais. Des agents pathogènes dont parlait Armelle, mais pas malheureusement pas la Borrelia. Donc ça, c'était bien. Mm-hmm. En revanche, il y a eu moins de pathologies, donc on ne va pas non plus s'en réjouir, ça a eu une incidence. D'accord. Donc, pourquoi vous vous êtes sensibilisé à cette maladie de Lyme ? Alors, tout à fait personnellement déjà, puisque j'ai une amie d'enfance qui est touchée par cette maladie et j'ai pu malheureusement suivre son calvaire dans l'errance du diagnostic, dans l'errance du traitement. Et puis, c'est une maladie qui est vraiment très peu connue. Ouais. Et c'est très important, c'est pour ça que Pure Essentiel a voulu s'associer à France Lyme pour pouvoir faire connaître cette maladie, les gestes de prévention et essayer de faire en sorte que soit les personnes ne soient pas touchées en évitant évidemment de la contracter, soit une fois qu'ils soient touchés, de savoir où s'adresser pour être diagnostiqué. Le problème de la maladie de Lyme, c'est le diagnostic, qui n'est pas évident. Le diagnostic, en fait, il y a deux étapes, voire trois dans la maladie de Lyme. Le premier marqueur de la contamination, c'est un érythème migrant. C'est cette fameuse tache rouge qui a une forme de cible, c'est-à-dire qui
plus clair, plus foncé. Ça, c'est un marqueur indéniable de la maladie. À partir du moment où on a un érythème migrant, on doit être pris en charge et traité par un traitement antibiotique. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est que cette maladie peut prendre des formes disséminées tardives. On peut lui donner le nom qu'on veut. Soit chez des personnes qui l'ont eu et qui peut-être sont recontaminées aussi par une tique, soit chez des personnes qui n'ont pas su qu'elles étaient contaminées et qui, suite à un choc émotionnel, un affaiblissement de l'organisme, vont la développer. Et il y a une polysymptomatologie sur la maladie de Lyme qui fait que le diagnostic est effectivement complexe, comme l'a dit Isabelle. Donc, le meilleur moyen aujourd'hui de ne pas, être malade, c'est de prévenir. C'est des gestes qui sont très importants, qu'on n'a pas forcément envie de faire, qui sont de se couvrir quand on part en balade, de mettre des répulsifs, que ce soit des répulsifs peau ou des répulsifs tissus, puisque maintenant on en a. Pour nous, c'est une chance extraordinaire qu'Isabelle et Marco nous ont donnée de pouvoir partager, parce que et de donner un peu un aura à cette maladie sur laquelle, effectivement, il y a une controverse. Aujourd'hui, c'est les malades qui malheureusement en souffrent le plus. Et encore une fois, si on arrive à prévenir, on évitera les problèmes majeurs auxquels on peut faire face parfois. Alors justement, donc vous, c'est plus essentiel, donc vous avez une action un petit peu de préventive, dans le sens où vous produisez des produits répulsifs. Alors, la nature produit... Pas seulement pour le maladie de Lyme. Oui. Non, bien sûr. La nature produit depuis la nuit des temps des substances actives que l'on trouve principalement dans les huiles essentielles et qui ont ces propriétés insectifuges, c'est-à-dire de repousser les insectes, que ce soit des moustiques, que ce soit des phlébotomes, ces petites mouches là, piquantes, très désagréables, et que ce soit aussi des tiques. Donc, dans le geste de prévention, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est utiliser sur sa peau, en vaporisation, on a des rollers, enfin on a... Pas sur on le a... tissu, sur la peau. Sur la peau et sur les tissus, parce que parfois il y a des activités où on va être couvert, par exemple un chasseur, un pêcheur va être plutôt couvert a priori, c'est pas ça se passe à l'automne ou au printemps, il va pas se promener en maillot de bain, donc il est couvert et en vaporisant sur ses tissus des produits à base d'huile essentielle de principe actif puissamment insectifuge qui ont fait bien sûr la preuve de leur efficacité. Ils sont validés scientifiquement évidemment. Évidemment. Ils ont une durée d'action de combien de temps? Alors ça dépend des insectes. En général, sur nos produits, tout est indiqué. Les tiques sont un petit peu plus résistantes que les moustiques. C'est-à-dire on peut avoir des activités répulsives sur les moustiques de jusqu'à 8 heures et les tiques, c'est plutôt jusqu'à 4 ou 5 heures selon les formules. L'intérêt, c'est que ces produits ne sont pas toxiques ni pour l'homme ni pour l'environnement. On est passé maintenant à des produits aussi efficaces que des produits neurotoxiques issus de la chimie de synthèse. Voilà. Votre entreprise. Et qui, eux, sont très toxiques et qui, en plus, crée de la résistance de la part de ces insectes. Il a été démontré que l'IR3535, etc., le DIT, enfin toutes ces substances, créent des résistances puisqu'ils ne sont pas naturellement présents dans la nature. Donc vous avez lancé une grande opération dans plus de 500 pharmacies. Voilà, alors aujourd'hui plus de 500 pharmacies, mais on espère en avoir d'autres puisque c'est le début de l'opération en partenariat avec France Lyme. L'idée, c'est donc d'informer les consommateurs. La pharmacie, c'est un excellent point de passage. La mère de famille y passe régulièrement. Donc on donne tous les outils que nous fournit l'association sur les modes de prévention. Comment retirer, je pense qu'Armel peut nous l'expliquer, comment retirer la tique parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Comment détecter si on a été piqué. Et qu'est-ce qu'il faut faire ensuite pour s'orienter le plus rapidement possible vers un bon diagnostic. Pour finir, Armel, donc contente de cette opération ? Ah oui, ravie, parce que comme le dit Isabelle, les pharmaciens en plus sont très souvent le premier rempart pour les personnes qui ont été piquées quand elles ne savent pas comment faire. On l'expliquait, une tique, de par la manière dont elle s'accroche, doit impérativement être enlevée par un tire-tique et absolument sans éther, comme le remède de grand-mère qu'on nous a appris, où elle risque de régurgiter. Donc c'est vraiment très important d'utiliser un tire-tique. Et c'est vrai que de pouvoir former, échanger avec les officines permet encore une fois de mieux diffuser l'information. Eh bien, merci beaucoup Armel Fouateni greffé. Merci Isabelle Pacioni. Et ça, c'est le petit signe, il faut dire. Que j'ai mis. Bravo. Voilà. Dans toutes les villes de France, enfin, pas dans toutes, mais dans plusieurs villes de France aujourd'hui, il y aura des actions pour sensibiliser à la maladie de Lyme.